Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Roll on the Pop, la nouvelle émission 2024 sur ma chaîne, qui est un, euh, une émission de jeu de rôle, mais un peu particulière, puisque nous allons reprendre les séries, dessins animés, films des années 80, 90, 2000, et on va euh, bah, vivre quelques petites aventures à l'intérieur. Autre particularité, sur cette chaîne et sur cette émission, il y aura à chaque fois de nouveaux invités une chaîne JDR que vous connaissez certainement, et euh, un artiste vous connaissez plus que certainement. Aujourd'hui, on reçoit Léopold, euh, humoriste, podcasteur, tiktoker, euh, il fait plein plein de belles choses, très drôle, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Bonsoir, ou oh, bonjour, euh, Bonjour, bah là où il y, y a moyen de faire des blagues, j'y suis, c'est vraiment mon principe de vie, donc euh, voilà, me retrouver partout, vous pouvez me retrouver partout. Explique-nous un petit peu ce que tu... Euh... Tu... Je fais, ben moi, non. je fais des blagues. Euh, non mais J'ai un podcast qui s'appelle encore un banger, qui est un podcast où on essaie de, de rendre des choses bangers, banger, de faire des bangers de l'humour toutes les 5 secondes. On essaie de, de faire ça. Et puis aussi, je fais des vidéos sur Internet, genre TikTok et Instagram où j'aime je, où je, bien faire des blagues sur certains sujets bien précis. Vous pouvez aussi sur scène, en tournée dans des pièces de théâtre et en one man. Voilà, c'est quand même pas mal déjà. Et j'adore la raclette. Et on est Et cette saison. Et cette saison, mais même hors ça. saison, les meilleures raclettes c'est en pleine canicule. N'oubliez jamais, toujours avec le petit gras au-dessus du caclon là. Oh, comme ouais, ça, le, comme, le, ça, le comme ça, on osé. peut savourer, on peut savourer le gras euh, une heure après encore une fois qu'il dégouline. <rire> <rire> Et pour la chaîne, pour cette première en tout cas, pour la chaîne, nous recevons Time to Roll avec il euh, représente Alban et Monte Cristo. Alors euh, bah, je commencerai à honneur, honneur à Alban, comment vas-tu Eh ben, bonjour, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir. Je le découvre Léopold avec un grand plaisir, du coup. <laughs> euh, bah, je ne vais pas présenter la chaîne moi-même, je suis sympa, je suis galante, je vais laisser faire Monte Cristo. Bonsoir Montecristo. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça me fait super plaisir d'être là. Euh, écoute, D'autant que je ne m'y attendais pas. Moi, on m'a tendu une embuscade. On m'a dit, tu fais quoi mercredi, euh, mardi soir Je sais pas. Euh, Coupable. Oh, ouais. Euh, T'inquiète pas, c'est un petit truc. Ça va être un quiz sur les séries télé et, et, et les, euh, les animés des années 90. Je fais... Ouais, ou pas, vrai, ah oui, ça comme ça du tout. C'est pas vrai. <laughs> et Alors là, je me retrouve sur un AP avec Léopold. Bon, bah, tout va bien, écoute. <laughs> <laughs> tout est calculé, vais, tout est maîtrisé. Donc, dire, la vidéo. <laughs> tout okay. est maîtrisé. On est dans le contrôle le plus total. Alors, en <laughs> cas pour moi, pour cette première, je suis très content de vous avoir tous les trois. Euh... Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, qui n'auraient pas vu la miniature ou qui ne verraient pas derrière Alban et Monte Cristo, on va. <rire> 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 on est fan de Schtroumpf sur Time voilà. to Roll. <laughs> Voilà, on va, euh, ça va être un, un petit jeu, un, un petit scénario autour des schtroumpfs. Voilà, on va refaire... Alors, ce pas des épisodes qui sont connus, mais on va refaire un épisode. Et, euh, et puis, bah, j'espère qu'on va s'amuser. C'est ta découverte, pour toi, Léopold, du jeu de rôle, déjà de base hein. ouais j'en ai vu quelques-uns, bah, comme beaucoup dans les streams, tout ça. Je devais en faire avec l'Incus, mais on a dû annuler à cause d'un problème technique. Mais voilà, je suis... J ai, j ai, en fait, je, je sens que j'ai envie d'y participer. À voir, je suis au salon. J'espère qu'on vous Sympa et, et pas ah, vive, trop tout, tu vas voir, c'est mieux. Moi, je fais partie de cette génération où, euh, où on voulait faire ça, mais on trouvait pas les potes euh, pour y jouer. J'ai moi, j'adorais Roquest, mais euh, j'avais jamais personne pour jouer avec moi, c'était l'enfer. Et donc, là, je suis content de trouver des, des gens qui sont vieux comme moi et. <laughs> ça me fait c'est un masque C'est un masque Je suis très jeune Je, je, je tiens à dire que j'ai 10 ans de moins que Monte Cristo quand même, hein. Ça se voit, C'est pas 20 ans. Et moi j'ai 10 ans de moins que. C'est faux Je suis tout jeune. Non, t'es adolescente alors, ça va Ouais, t'as vu On dirait pas mais j'ai 15 ans. Alors, on, on va commencer déjà, on va présenter un peu nos personnages. J'ai commencé avec, euh, avec Léopold. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, le personnage que tu vas faire ce soir Bonjour, je trouve sa lunette. Et bien sûr, j'ai des lunettes. Parce que le roleplay, c'est important. Okay et pas du tout parce que je suis presbyte et astigmate. Alors, euh, je suis un personnage intelligent, je dire comme moi. Je suis un personnage qui sait tout sur tout comme moi et euh, je suis souvent je pense un peu désagréable et un peu pas sympa parce que quand on m'écoute pas je suis énervé ok mon pote donc vous avez intérêt de m'écouter cette fois-ci ok on a bien saisi t'as l'air un peu t'aurais pu faire euh, grognon quand même hein. <laughs> ouais <laughs> non attends attends parce que non ce que grognon il est jamais content là je trouve honnête il est pas content parce que vous ne m'écoutez pas c'est pas pareil euh, ensuite, bah, je, te, je, je propose à Alban de, de, de présenter un petit peu son personnage. Oui, alors moi, je suis la trompette. Euh, du coup, ben, je suis jolie, euh, je suis plutôt intelligente, euh, et puis j'ai un très bon caractère, je, je m'entends bien avec tout le monde, et puis tout le monde m'adore. C'est vrai, sachant que tu es la, la, la seule fille parmi ces 99 euh, nains... Euh, schrumpfs. <laughs> N'est-ce pas ça, ça Tu veux m'en dire de... s'il n'y a, a pas de schrumpfs nain Il n'y a pas de... A pas de... de... Non, non ils ne sont, ils pas, sont p... pas très inclusifs. Non, euh, est... leur taille, ça serait un peu un pléonasme, en fait. Il <laughs> n'y <Je rire> a pas de petits schrumpfs. Il n'y a que des schrumpfs... Il y a une BD où il y a un bébé schrumpf, non y a Oui, y a, je crois qu'il y a deux, trois BD où il y a, y a, 2, Schtroumpf Schtroumpf y a des ah, enfants. Ouais. Euh, voilà. C'est, c'est pas, c'est n'a pas beaucoup. Euh, les Belges sont amenés les en les cigogne. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, nous allons passer à Monte Cristo. Non, si. Allez, je vais avoir du mal. Plus, plus de lumière en tout cas. Il n'y a plus de lumière. Oui, toi, oui. toi, t'inquiète. Euh, qui va nous présenter, donc bah, j'ai un peu vendu la mèche euh, en tant que Stroump-Grognon. Mmh. Ouais, euh, moi j'aime pas ça, hein. <laughs> moi je suis pas super content, bon, moi je suis le grognon je suis là parce que j'ai pas le choix, mais bon pff, voilà, moi j'aime pas la stroump fête. moi j'aime pas le Stroump-Fa-Lunette, mais je suis là. Bon, il paraît que j'ai un regard assez menaçant hein, par contre, hein. mais bon, je suis quelqu'un de bien au fin de... Moise Langue diront que je râle, mais non, non, je dis la vérité, c'est tout. Mmh. Enfin, je trouve grognon, quoi. Le système de jeu est assez simple, hein. j'ai voulu que ce soit assez simple, donc ça se jouera avec un des six. Euh, sur chacune de vos fiches qu'on a vues, il y a euh, vos compétences, qui sont au nombre de trois, donc la force, l'intelligence et l'agilité, bien sûr. Quand il y aura une épreuve à passer, il suffira de jeter le D6, additionner ça à votre score de compétence et ça vous donnera un résultat qui, euh, bah, je l'espère, vous permettra de euh, dépasser la difficulté, sachant que si vous faites entre 1 et 6, c'est un échec. Si vous faites entre 6 et 9, c'est une réussite partielle. Et si vous faites 10 et plus, c'est un succès. Euh, bien sûr si votre compétence suffit à dépasser euh, la difficulté parce que je crois qu'il y en a une qui a un petit 8 quelque part hein, euh, c'est une réussite automatique sauf si bien sûr il y a des petits soucis euh, qui vont s'accumuler derrière euh, vous avez également des, euh, des, des des points de compétence spéciale dû à votre caractéristique alors il y a râleur, il y a, il y a, il y a des choses comme ça euh, si vous l'utilisez eh bien, vous euh, pouvez additionner, euh, par exemple, force plus rallage. Je vois pas du tout l'intérêt, mais euh... <laughs> qui, qui, vous fait truc, qui vous fait un truc et euh, ça va vous donner une des deux compétences spéciales qui, euh, qui sont en dessous. Sachant que chaque fois que vous en utilisez une, euh, vous avez vous décomptez un point de compétence spéciale. Vous en avez quatre pour tout le groupe. Ah, d'accord. Voilà, donc, euh, donc euh, ça, ça évite aussi de, de, de trop user de, de vos pouvoirs particuliers, mais en même temps, ça vous permet aussi de, de pouvoir peut-être éventuellement trouver des stratégies en commun en en discutant, en vous arrangeant pour résoudre des petits problèmes. Euh, bon, j'avais pris euh, l'exemple du Schumpf euh, grognon parce que euh, je m'étais mis cet exemple. Euh, si tu veux intimider un autre personnage, le joueur lance un dé. Et quoi Tu lances un dé et euh, tu ajoutes le score de sa force. Il a dépensé un point de sa compétence spéciale, regard menaçant. Et il ajoute également le bonus. Donc, ce qui fait que peut lui tataner sa gueule et il devra parler sous la contrainte. Je ne sais pas pourquoi <laughs> je suis un accent allemand pour dire ça. On On faire un Schtroumpf grognon allemand, mais bon, c'est <laughs> pas évident. Est-ce que les règles sont claires pour tout le monde? Y a vol? Ouais, à peu près. <laughs> à peu près. Ok, donc les Schtroumpfs se rassemblent sur la place du village comme tous les matins pour prendre leur petit déjeuner en chanson, et vous connaissez la chanson, bien sûr. La 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 je, la la C'est un enfer. Est, Et est ah. le chef Schtroumpf, euh, il y a à peu près 150 ans, n'oublions pas, hein, je à le préciser en euh, fait. Euh, C'est vrai, le grand Schtroumpf est très très vieux. Moi j'aime la... pas le chef Schtroumpf. <laughs> Mais l'absence d'un des Schtroumpfs se fait largement remarquer puisque sa chaise reste vide dans ce grand boquet matinal. Le Schtroumpf est, est vide. Que... Hum non, ouais. Je t'en prie, tu peux, hein non. Le schtroumpf timide est envoyé par le grand schtroumpf à voir si ce dernier n'aurait pas oublié de se réveiller. Pour arriver, même si ce n'est pas schtroumpf dormeur qui lui, pour le coup, était présent. Hein. Après de longues minutes, le schtroumpf timide revient, s'approche de l'arrêt du grand schtroumpf pour lui... Euh... Ah. Il est timide, hein euh, voilà. Le grand schtroumpf, tout d'un coup, prend la parole. « Mes chers petits schtroumpfs, l'un de vos schtroumpfs semble avoir disparu c'est grave, ça me fait super mal à la gorge. J'ai l'impression que vous ne tenez pas trop votre parole, votre accent, tout ça. J'ai l'impression. Non, on dirait le père <laughs> qui a fumé un paquet de Gitane. <laughs> C'est grave et cela est très inquiétant, quant à savoir de ce qu'il est schtroumpf du schtroumpf farceur. Alors. Même que vous étiez en plein petit déjeuner, le grand schtroumpf, vous, là c'est le narrateur, <laughs> vous montre du doigt, <laughs> vous montre tous les trois du doigt, bien sûr, euh, au milieu de toute cette assemblée, puisque vous êtes assis les uns à côté des autres, même s'il y en a un qui n'aime pas être là. Non, moi j'aime pas être là. Mes trois talentueux schtroumpfs, je sais que je peux schtroumpfer en vous. Et attention ne pas le prendre de, du mauvais sens. Hein. Pour cette mission et nous schtroumpfer notre ami le schtroumpf farceur. J'invite tous les schtroumpfs à être disponibles pour répondre à vos questions des fois que certains et schtroumpfé quelque chose. Moi j'aime pas qu'on schtroumpf en moi. Ça va être très long. <laughs> Ça va pas être possible. Très bien, grand, grand schtroumpf. Très bien, grand schtroumpf. Ouais. <laughs> Allez, je trouve grognant. souris un petit peu. Donc en gros, vous êtes en mission sourire. trouver quelqu'un pendant que les autres sont en train de se rassasier l'estomac, quoi. Ça. Bon, alors moi, je, euh, écoutez, je, je pense que j'ai une idée, ok Je, je trouve Farceur, euh, ce qu'il aime bien, c'est se balader en forêt. Euh, je trouve fait des choses. Euh, je trouve fait des champignons. Je trouve fait des, des arbres, des, des petites, euh, des petites cerises, tout ça, pour créer après des farces. Donc peut-être qu'il est parti dans un coin. Je trompe, ah oui, non, moi je, je pas... pense. Il n'y avait, avait, avait pas un, un arbre qui faisait du schtroumpf à gratter quelque part dans la forêt Exactement. Peut-être que Grognon, il est allé trop souvent, c'est pour ça qu'il est énervé. Mais euh, en tout cas, peut-être que c'est la balle. Mmh. Moi, je pense qu'il a schtroumpfé le mauvais schtroumpf. Est-ce que tu aurais des choses à te reprocher Non. Grignon Mais il n'y a pas de raison qu'il y, y a que moi qui, qui soit de mauvaise humeur. Il a peut-être fait le mauvais schtroumpf. Moi, euh, je pense qu'il faut interroger les schtroumpfs. Je me demande si je vais pas devoir mettre un bandeau euh, pour sous-titrer tout ça. Mais <laughs> non. Bon. Peut-être qu'on pour... peut qu pourrait aller voir, c'est vrai que c'est pas bête ce qu'a dit Grognon dans sa barbe là, euh, peut-être qu'on pourrait voir la tête de la dernière personne qui a vu euh, Schtroumpf Farceur. Donc on oui. interroge tous les autres schtroumpfs alors. On a donc euh, bon euh, faire du monde a 96, hein. 96 <laughs> schtroumpfs à interroger. Et Mais mon, principal, coup, mon principal schtroumpf, c'est le grand schtroumpf. Pourquoi le grand schtroumpf, bah oui, le... schtroumpf euh... Parce qu'il a le parfait talent, Schtroumpf. Mmh. En fait, il nous donne la mission. Comme ça, il pense qu'on ne l'interrogera qu jamais qu et soustra... qu'on ne le schtroumpfera jamais. Ah, il est parano schtroumpf, le gars. C'est ce schtroumpf, schtroumpf parano, en fait, c'est pas <laughs> le même schtroumpf. <laughs> Bon, je suis un complotiste, nous trompons. un gilet jaune, ok, calme-toi, calme-toi. Est-ce que vous voulez qu'on aille je euh, trompe les chromphe tous ensemble ou séparément pour aller plus vite Non mais ensemble, mais peut-être qu'on essaie de, de trompe les bons chromphe. Euh, y'a a pas un chromphe euh, commère. I'm... Un okay. chromphe commère, ça peut être intéressant. Alors, il, y a, il y a qui, il y a euh, comment il s'appelle, jolie... qui se regarde toujours dans le miroir Spocké. Non. Spocké. Cocaine. Okay. Ah, je... ouais. ah, cocaïne. <laughs> il doit être sympa celui-là. Je c'est pas cocaïne. le même celui-là. Celui-là, c'est en bas des immeubles. <laughs> oh, je trompe fait le coquet, oui. Ouais. Euh, oui, on peut peut-être peut peut euh, tromper près de la maison du. Je trompe farceur aussi, voir s'il n'y a pas des trompes voisins qui pourraient avoir trompé quelque chose. Mmh, c'est une, trompe... une bonne idée. Ouais. Allez, je trompe fait. Tu as raison. Euh, cette idée surtout souvent a souvent été inspirée par mes idées à moi, donc je pense qu'on va suivre les tiennes. La Schtroumpfette, on va aller voir la maison de Schtroumpf farceur. C'est parti. <sustes> moi, j'aime pas la maison de Schtroumpf farceur. <sustes> <sustes> Alors, vous arrivez effectivement à la maison de Schtroumpf farceur. Vous ouvrez la petite porte de la maison champignon. Et à l'intérieur, vous pouvez remarquer que c'est le grand bazar. Il y, a des, il y a des farces qui sont inachevées, il y a des éclats de champignons farceurs éparpillés partout. Euh, mais pas de Schtroumpf farceur, hein, comme le Schtroumpf Nimid l'avait euh, chuchoté à l'oreille du grand Schtroumpf. J'essaie de voir s'il n'y a pas des, des, des traces euh, qui ne, qui ne Schtroumpf pas par ici. Ouais. Ah, tiens, j'ai vu. Il y a Godemiché par, par terre. Il devait se schtroumper tout seul, mais ça c'est sûrement pas, sûrement rien à voir avec le, notre choufre histoire. Alors, bon. les, chouf Pendant je ce temps-là, voilà il, il, il a posé pour plaît schtroumpf. <laughs> je le prends <laughs> euh, un schtroumpf Michet. vais pas à mettre la vidéo en moins de 18, s'il vous plaît. <laughs> J'attrape du bout du doigt, je le pose. Oh. <laughs> Il coule encore. Tu sais pas si c'est du oh papier de passeur. Des... Ah, okay. euh, moi ça. je fouille. Je fouille. Oui, moi je fouille dans un dans, dans un dans une boîte. J'ouvre une boîte qui était fermée parce que voilà qui était cachée. Et dedans. Et dedans c'est moi qui fais a... la surprise. Voilà c'est ça. Moi je alors, fonce alors... je fonce vers lui au ralenti en faisant. Alors, est-ce que, est que Léopold, tu peux me faire un jet euh, <laughs> d'agilité Et est-ce que tu as peut-être un truc qui renforcerait ou pas du tout Alors, rappelle-nous combien tu as en agilité J'ai 4. Je viens oh. de faire 2. Donc, 6. Ça fait 6. Donc, tu as une réussite partielle. Euh, ouais. C'est à dire que c'est quelque chose qui... qui réussit, mais il se passe quelque chose. Ah, sachant que Monte Cristo, le chauve c'est <laughs> s'est euh, dévoué pour lancé se, se vers toi pour te protéger de peut-être la farce. Hein. Sachant que c'est quand même le chauve lunette qui prend le plus cher à cause du chauve farceur en général. Hein. Ça tombe euh, bien. <laughs> ah ouais euh, je te je te laisse résoudre ta réussite partielle savoir s'il se passe quelque chose pour toi pour lui pour personne euh, ou ce qui va se passer alors j'ouvre la boîte ok elle explose la boîte ok elle monte en l'air comme oh. ça il y a grognon voilà qui tape la boîte pour pas qu'elle tombe sur moi parce que eu mal, tu vois. Là, j'ai un peu les lunettes de traverse et en dessous de la boîte, on voit qu'il y a une feuille dedans, ok, avec plein d'adresses, plein de droits d'endroits à je tromper. Il y a marqué, si je suis perdu, si vous me retrouvez pas, pardon, retrouvez-moi. Eh, j'ai dit que c'était une réussite partielle, pas une réussite assez Ah bah non, <laughs> ok, ok, je refais. fais. Il y a marqué en dessous, juste des, 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 des lieux. Euh, dans la forêt magique et on ne sait pas ce qui se passe effectivement il y, y a une indication euh, sur différents lieux où, euh, où le champ de farceur se fournit par, son euh, par la forêt des, <laughs> des, 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 ch des, des champignons farceurs hein. euh, et en fouillant un petit peu plus à droite à gauche comme ça vous, euh, vous, vous trouvez également un papier qui est accompagné, partiellement cramé par l'explosion euh, où vous, vous reconnaissez quelques mots type euh, Gargamel, des choses comme ça, et euh, vous comprenez assez facilement oh qu'il était en train de préparer euh, une farce euh, contre Gargamel. Oh, moi, j'aime pas Gargamel. Oh là là. Il faut aller prévenir le grand, je trouve. Dites. Ouais, c'est bien, ça. Le... Euh, moi, ouais. plus, ce qui, ce qui m'embête, c'est que généralement, quand il fait des grandes, comme ça, des grandes farces, m'appelle parce que comme c'est moi le plus intelligent de, de l'équipe de euh, là, là et je pense que comme il m'a pas appelé, c'est parti en live, c'est parti en ouais. chouf. Ah, il t'appelle pour là, tester tu vois, en fait. Il a voulu tester tout seul mais pas assez intelligent, heureusement que je suis là. mais On va le retrouver tous ensemble. Quand je dis chouf, vous dites ensemble. Chouf Ensemble. Pas content. <laughs> Ça va super. Allez on va voir grand chouf. Euh, vous, vous arrivez euh, <laughs> sur la place où, où le, le, le banquet du petit déjeuner euh, continue, malgré les onze heures et demie passées. Euh, vous êtes devant un oui. grand schtroumpf à moitié en coma et euh, en... il <laughs> qui, qui est en train de digérer Grand schtroumpf, grand schtroumpf on a, on, a on a schtroumpfé quelque chose dans la, dans la maison du schtroumpf farceur, mais euh, ça, ça, ça laisse schtroumpfer une, quelque chose de mauvais augure. Euh, a priori, il serait parti faire une farce à, à Gargamel. Oh, oh. Vous devriez arrêter non, la débit. pipe de Gandalf euh, quand je ouais, c'est oh, Moi, mais... j'aime pas les herbes à ganja. <laughs> à Gandalf, à Gandalf, à Gandalf. Euh, Gandalf. <laughs> ah, mais petit Schrumf. Euh, euh, ravi que vous ayez trouvé une piste. L'indice du fort boy... Euh, le... <laughs> Que ça pourrait être le mec du Fort Boyard grand chauffeur. Il faudrait que tu fasses une émission Fort Boyard. Je pense que ça pourrait avoir son succès aussi. Et bien, poursuivez. Je j'ai totale confiance en vous. Oui, il nous a rien dit là en fait. Là, non, fallait dire quoi vous vouliez vous aviez une question. Agresse le un peu, pose-lui des questions un peu. Voilà. Regard noir. Oh, soufflez avec ton haleine qui pue Voilà, oh, soufflez le visage Un grand schtroumpf, je suis voilà. sûr Que vous savez où il faut schtroumpfer en premier ah, Je lui fais le, le, goût, ou le ou regard ou... méchant Oui, j'ai du mal à schtroumpfer en ce moment Eh <laughs> 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 bien euh, Je vais vous coller un schtroumpf, euh, je vous dis que ça Qu'est-ce que vous avez trouvé comme indice hein Ah, voilà le papier ah, bien, ça, 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 ça sent hein. la, la fumée, votre truc. Oui, c'est normal, il euh, y, y, y a un piège qui a, qui a failli schtroumpfer sur le schtroumpf à lunettes. C'est pas la même fumée que vous utilisez, vous, hein, monsieur Grand hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qu que vous en dites Vous devez savoir où c'est exactement grâce Et à alors, cette feuille. Alors, Grand Schtroumpf, euh, il, il analyse euh, les documents, il goûte le papier, il sent ses pieds, il retourne le papier, il regarde à l'endroit, à, à l'envers. Ça ne présage rien de bon. C'est ce que, 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 que on... j'ai dit en arrivant, Grand Schrumpf. Bah ouais, Grand Schrumpf, où devons-nous bon. À 150 ans, il doit gâteau. <laughs> Chez Gargamel, <laughs> moi Moi, j'aime Gar... pas le Grand Schrumpf. Gargamel Ah oui, 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 oui Gargamel, euh, oui. Euh, eh bien, il semblerait qu'il il préparait une farce pour Gargamel. Mais quel idiot, ce schrumpf euh... Je regarde, je, 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 je schtroumpfe l'assemblée quand même pour regarder s'il n'y a pas un schtroumpf qui nous écouterait. Oh, si, il n'y a plus d'un schtroumpf qui vous écoute. Hein. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, si... il y a un schtroumpf vicieux qui est dans un placard, donc euh, <laughs> fais gaffe. <laughs> on ne peut pas emmener avec nous le schtroumpf costaud, ça peut toujours servir. <laughs> non, le schtroumpf costaud est parti à une compétition d'haltérophilie euh, à Angoulême. Ah, et le schtroumpf bricoleur <laughs> de bricolage Moi, il est en train euh, il est à une convention euh, youtube pour sa chaîne euh, bricoche tout hein. <laughs> ils ont et, tout, mais, 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 mais ça, ça, ça me semble assez clair pourtant vous avez pas je fait assez euh, bon, alors... on va schtroumpfé on va aux différents strumpf, aux différents endroits ok alors les gars qu Qu'est-ce qu que vous avez comme idée là je vous laisse... Moi j'ai déjà une idée mais je préfère vous donniez votre idée à vous Comme ça après on verra euh, J'ai <laughs> vu qu'il voulait aller visiter Il va chercher des ingrédients dans un cercle schtroumpf Avec plein de petits champignons euh, Qui servent à la pipe au, au grand schtroumpf Ah Peut-être par là C'était marqué, sur... marqué sur le papier Grunion oui, Sur le papier, Il y avait des, <laughs> des zones euh, Où vous pouvait trouver Ces champignons farceurs Ouais ah, okay. on de... Oui, on devrait commencer par là, effectivement, parce que s'il veut préparer la farce à Gargamel, euh, il a dû partir chronomper des champignons pour, euh, pour remplir son cadeau géant. Et puis, euh, le connaissant, il s'est peut-être endormi là-bas. Euh, tu confonds avec le chronomphe là. Ah, mais il aurait voulu goûter ses, ses champignons pour être sûr. Ah, -être. Il lui explose en pleine bouche. <rire> 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 Comme le sucre qui pétille, pareil. <laughs> du coup, Et un bon, champignon du... palmade du coup est-ce que ça rejoint ton idée alors je trompe à lunette alors exactement sauf que j'ai vu la première adresse où il y a le plus de champignons c'était chez maître grand chrouf donc ça doit pas être les mêmes champignons que chrouf que au ah. farceur donc on va aller sur bien. la deuxième adresse ok qui est dans la forêt enchantée bien sûr qui est dans est la forêt bien. enchantée qui est juste en dessous euh, des abris à écureuil. on y va c'est vrai on y va quand je dis chrouf vous dites cruel chrouf cruel ah, aime pas, je n'aime pas chrouf voilà. Allez, on y va. Tiens, prends un peu de, de salse pareille, ça ira mieux. Euh, <laughs> Moi, j'aime pas la salse pareille. Dit-il en la mangeant. <laughs> euh, vous, vous, vous vous dirigez donc vers euh, la forêt enchantée. C'est un lieu euh, paisible, étrange et mystique en même temps. Voilà. <laughs> ça, 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 ça sent la magie. Et euh, vous savez que le Stromfarceur, en plus, aime beaucoup caché. Donc, est-ce que ce serait, ce serait pas une énième farce du schtroumpf farceur C'est possible. Vous ben, je vous le dis, le... Hein. il fait exprès, c'est pour une C'est pour une farce. C'est pour nous schtroumpfer la tête. Donc, vous arrivez euh, dans la forêt enchantée. C'est un lieu, bien sûr, empli de magie. Et vous savez que le schtroumpf farceur adore s'y cacher. Peut-être que c'est encore une farce de sa part et qu'il n'aurait pas vraiment disparu. Mais bon, mmh. les indices, quand même, euh, prouvent autre chose. Où ça pourrait être des faux indices. On ne sait pas. Ah, cas, bon. ça, vous sentez aussi comme moi, les gars. On est dans un exception Schtroumpf ou pas que... En fait, il ah. va être enlevé. Ça va être une farce d'une farce qui va être en fait pas une farce, mais qui va être une farce. Dégénéré. Ah, de... me... J'ai la tête. Moi, qui je, shrumpf, je là. <rire> <rire> moi, je, je qui va pas, qu s'est fait enlever. Hein, parce que s'il si m'a fait déranger, m'a fait euh, déranger sans raison, euh, je vais lui Schtroumpfer la tête. Oh. De pardon, vous y rencontrez des créatures magiques telles que des papillons arc-en-ciel, des lapins siffleurs. Est-ce que vous avez déjà vu un lapin siffleur C'est génial. Mmh. Voilà. Mmh. Mais bon, il euh, y a des indices qui laissent à penser quand même que le chou farceur, il euh, bon, y, y a dû avoir quelque chose. Il y a des traces, il euh... y a des traces de champignons farceurs, mais qui ont été coupés, mais qui sont restés sur place. Ça, c'est pas normal. Alors je, goûte, je goûte un petit peu de, de, de champignons farceurs et j'essaye de, de remonter la piste. Attention, tu vas vraiment... manger un hallucinage hum. et, Sinon, tu vas, les, tu vas aller voir les lapins siffleurs. Je, 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 vois, pas, je, je vois pas ce qui pourrait être pire. depuis tout à l'heure, sans les hallucinages tromphe, je vois des lapins siffleurs. <laughs> Alors si j'ai un hallucinage tromph, je veux pas savoir ce que je vais voir. un ouais, chanteur. Je, je veux savoir en fait. <laughs> Donc, euh, que que, que faites-vous euh, bah, Est-ce que sur le sur le sol on peut voir peut-être des, des, des champignons qui, auraient été, euh, qui laisseraient comme un petit chemin comme le petit pouche trompe. Alors je t'invite à oh. faire un test d'intelligence Sûr, sure, je vais faire un test d'intelligence euh, okay. Peut-être qu'il serait mieux que le schtroumpf-lunette fasse ça 6 plus 6, 12 <laughs> Allez voilà. là, une fois faut oh. que je réussis un G. as fait exprès pour me donner tort. Vous remarquez euh, au sol euh, des empreintes du Strumfarser ah. euh, qui qui se dirigent dans une direction, mais ce ne sont pas les seules empreintes que vous pouvez euh, voir. Et... Regardez, il y a les, les empreintes du Strumfarser au sol. Oui, mais Moi, y il y a autre chose avec. Et, et, et il y, y, y a des petits morceaux de champignons comme ça qui qui balisent un petit peu euh, le tracé. Les autres empreintes, elles ont quelle taille À peu en près une taille d'empreinte de schtroumpf ou plus grande On... On dirait des empreintes sans que ce soit réellement des pieds. Euh... C'est plutôt <laughs> lisse. C'est plutôt... Non, non, ça ressemble vraiment à une forme qui pourrait être un pied, mais c'est assez indescriptible. Mais vous Ces voyez les que c'est des, cho des choses ouais. qui s'emmêlent avec les... Les empreintes du de du farceur. croyez oui, qu'il est parti avec quelqu'un Je quitté. j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'a pas construit une machine Il est rentré dedans et après, il est parti avec. Je pense que oui. tu présumes dans son intelligent tromphe ouais, C'est vrai. Parce que je crois toujours que les gens sont aussi intelligents que moi, mais non. C'est le problème. Et d'or, du coup, ben, ce qu'on fait, c'est n'a qu'à suivre les, les empreintes Oui. C'est une bonne idée. Simple. Allez vous avancez, compliment. vous suivez ah ben, le. C'est rare. Hein. Champignons, ça. C'est les champignons. Vous, vous non, suivez ouais. donc euh, cette piste qui vous mène à. Euh, On dire à une sorte de, de de falaise. Et vous voyez que euh, les pas continuent dans la, vers la falaise. Il ne s'est pas trompé. Ah, enfin, les falaises, pardon, vous êtes en bas de la falaise. Hein, ah, euh, ah d'accord, ça va. Inversant, inversant, vers inversant, ah ouais. inversant. inversant. l'ambiance voilà. bon. du roleplay qui change un peu. <laughs> C'est des vers 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 pas <laughs> Oh, sur la falaise, quoi, sur le versant. Il a, ah. non, Genre, il il a, est... a trompé vous êtes au pied. Vous êtes au Mais, pied Mais il a ah. Je disais, il a chroumfé <laughs> <laughs> Et en s'approchant un peu plus, vous remarquez un demi-pied, l'arrière voilà, du pied qui est carrément collé à la falaise. J'essaye de passer, de voir s'il si, euh, n'y a pas un passage secret à l'intérieur du... du trompe de la falaise. Alors, il y a euh, beaucoup de végétation et euh, ça, me plaît ça, pas, va, ça va demander un rapport de force. Force Ça je okay. bizarre. Pour euh, essayer d'écarter cette végétation. Ah. Veux-tu que je, je trompe bien. la végétation je, je veux bien, merci beaucoup. C'est très gentil à toi, je trouve, Ognon. Moi, extraordinaire. pour moins que moi. J'aurais pas dû. <laughs> Merde. J'ai fait un 6. En tout hein. une réussite partielle, tour. ça faisait pas mal. Ah, ça va. Réussite <laughs> partielle. Mmh. Euh, eh bien, euh, comment pourrais-tu résoudre partiellement cette énigme Eh bien, écoute, je pense que je, je me suis euh, emmêlé dans les ronces euh, tout le long. Il est possible que mon bonnet. Euh, bon, tout en restant, parce qu'un bonnet de schrumpf ne peut pas quitter son, sa schrumpf de tête. Euh, mais euh, mon bonnet aurait été écorché, suis tout écorché, j'ai l'air encore plus grognon que d'habitude, je suis de mauvaise humeur, ah j'aime pas ça, ah ils m'entendent me pester deux fois plus fort, ah non, ça c'est nul, ah oh, là là là. là. Mais, mais, mais sans avoir trop écarté la chose, je vois quelque chose derrière ces ronces et ces buissons. Moi je suis dans les ronces, hein. euh, mais il y avait un chemin <laughs> par les buissons qui était mieux, et je vois un petit passage. <laughs> qui me permet de leur dire, hé, hey, là, regardez, si vous passez par là, pas par où je suis passé, hein, si vous passez par là, ça devrait bien aller vers pour vous. Ah, et, ah, et effectivement, euh, ils se rendent bien compte qu'il que, que doit y avoir quelque chose parce que euh, tu es tellement emmêlé que ta tête semble être à l'intérieur du rocher et tes fesses en l'air à l'extérieur euh, du versant. Donc, à moins que tu aies été coupé en deux, il doit certainement y avoir quelque chose derrière ces, ces cette végétation. Attends, Schtroumpf grognon, on va t'aider déjà à te libérer de. Ouais. D'abord, je, une... je commence à faire une Schtroumpf sur ses fesses déjà, parce que c'est pour l'ambiance. J'aime pas qu'on Schtroumpf mes une... fesses. <laughs> après avec Schtroumpfette, on le sort, euh, on le sort des lianes. Ouais. <laughs> Ou peut-être euh... qu'on en profite, comme on en utilise comme bélier, pour ouvrir la porte de derrière. On le Schtroumpf, <laughs> on le jette sur le. Le mur, non, mais en Ils fait, je la tête. Je, je crois qu'il a une ouverture déjà... dans le mur. Je, je suis déjà à travers le schrumpf de mur. Mmh. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, on va te sortir. Alors, malheureusement, ok, <laughs> mais j'ai senti euh... que tu avais des mauvaises, des mauvaises enceintes. Ça dit qu'il est déguisé en chrompes à lunettes. <laughs> Donc, effectivement, en le tirant un peu, euh, la, la végétation s'arrache un peu avec lui et vous découvrez un passage euh, à travers euh, la montagne. Est-ce qu'il a? Je par ici, c'est pas ah. possible, ça. Moi, j'aime pas la nature. Visiblement, la nature ne t'aime pas non plus. Euh, on, on, on est d'accord qu'on voit rien dans cet endroit-là On est d'accord que la luminosité est basse. Les schroumpfs ne voient pas dans le noir, c'est triste. Tu n'es pas dit que hein Est-ce est que les que... schroumpfs voient dans le noir <laughs> Non, mais on voit nos yeux, par contre, dans le noir. C'est vrai. Est-ce que... Est est -ce que, comme j'ai fabriqué des objets avec mm -hmm. des ressources limité. Je peux fabriquer une torche. Et tu veux Mais dire en, en utilisant marche. un point de capacité spéciale. C'est ça. Alors tu, tu fais ton intelligence plus ta capacité d'intelligence spéciale machin, ouais. Ok. Donc ça te fait combien en tout Ça fait pas mal, je crois. Ouais, ça fait beaucoup. Je peux pas te le dire comme ça parce que je, crois que je sais pas compter. Mais en tout cas, moi je vous fais confiance, j'ai pas vos feuilles devant les yeux. Euh, ma, ma capacité ma, mon intelligence c'est de 8 ouais ok je viens de tirer un dé je viens de faire 6 <rire> 14 <rire> je pense que c'est je pense que c'est plus que réussi déjà <laughs> 14 plus euh, plus ta capacité spéciale qui est à 4 je crois donc on a ouais non mais on est large on est au dessus tu, tu, tu es le my Giver de la situation guerre ouais. voilà donc je fais même une, une je fais même une, une lampe torche hein. Avec des belles piles... Un truc bien frère, hein. je suis vraiment un truc... Euh, des piles en bois. Tu... Ouais, donc... Et on ne sait et pas comment mais ça marche. Il les a piqués sur le lapin de Duracell euh, qui, qui... qui... Il siffle. Il siffle, Il siffle plus maintenant <laughs> le lapin. <laughs> Il lui a coupé le sifflet. Donc... Euh, oh, euh, oui. Vous pénétrez à l'intérieur de cette euh, grotte et... Euh, vous pouvez y trouver... Euh, pas mal de choses, entre autres euh, des montagnes comme ça de de papier cadeau, euh, de cadeaux qui ont explosé euh, certainement de hein, ça En tout cas, ça ressemble beaucoup à sa signature. Hein. Euh, divers ingrédients, quelques plans par-ci par-là et euh, des espèces d'installations test. Vous savez avec euh, les, les mannequins là avec des trucs. Euh, ah Il oui. y, wow, y en a même un qui tient encore. Il y a même un qui tient encore un cadeau euh, dans les mains on voit qu'il a été un petit peu euh, testé, et usé. <laughs> Vous avez vu tous ces mannequins Ils ont des lunettes. <laughs> euh, ouais ah non, regarde <laughs> celui-là, il croise les bras, il a l'air, il a l'air, il ressemble. Ah non, c'est trouve costaud ça. Ah non, il n'a pas le petit tatouage sur le sur le bras. Il est juste désagréable. C'est vraiment. Euh... <laughs> D'ailleurs, il y a même dessiné vois. une bouche à l'envers euh, sur le mannequin. Et <laughs> <Les> sourcils froncés. <français>. froncé. <laughs> je vois pas qui ça peut être. Trompe-farceur bon oh, Trompe-farceur oui. bon Je sais de l'appeler, si... oh, là, oh, si... Trompe-farceur, on a trouvé ta trompe Montre-toi Et là, vous n'entendez que vos propres échos. Ah, ah. Il s'est encore tromphé Il doit pas être là, il faut je tromper un peu plus. Euh, va, il y a certainement des indices peu. ici. Ça faut peu, fouiller. Ouais. Moi, déjà, je trouve que ça sent déjà un peu la poudre. Peut-être peut que pas. ça fait pas longtemps qu'il était, qu'il a été là. Peut-être. Qu'il a utilisé, qu'il a fait ces tests là. On peut peut-être trouver quelque chose. Un... Hum. Une sorte de. Ah, on a trouvé un plan. Un ah, plan de quoi avec marqué, avec euh, une tête de gargamel dessus. Non Ça, c'est ce que vous aviez trouvé tout à l'heure, oui. <laughs> bah, il en a fait un deuxième, mon pote. C'est comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois. Mais là, on sait exactement où est ce plan. Et alors que tu trouves ce plan, que tu prends à pleine main, tu entends un clic. Ah. Oh. Non <laughs> Moi, je recule. <laughs> non Je recule pour ne pas abîmer mon... ma coupe de cheveux. Voilà. <laughs> et, et, et et tu as même pas le temps de réagir tellement tu avais été happé que ça fait boum et il boum non voilà et tu perds alors je l'ai c'est vrai que je ne l'ai pas fait euh, je vous l'ai pas expliqué tout à l'heure mais vous avez des points de vie qui équivalent à votre force hein, plus deux j'ai pas grand chose <laughs> voilà ouais. donc euh, tu viens ouais, de perdre ça. un de ces points ok que 4. ok était méchante cette farce hein. Ouais, c'était encore un test préparatoire qui est un peu violent ça en même temps gargamel est très grand donc euh, ouais. il faut un truc qui fasse un peu plus boom c'est dose euh, de Gargamel. Je pense que je vais essayer de, de voir parce que je trouve farceur est quand même assez euh, assez inventif euh, il a très certainement alors un plan mais plutôt un, une enfin un plan euh, dessiné de son piège j'imagine de sa farce oui, ça. et c'est ça que c'est ça que j'essaye de de, de, de de trouver en fait, de voir en fait quel type de farce il essaye de faire exactement à Gargamel. ça peut nous donner un indice il faut et surtout qu pas qu'il qu s'entende bien avec le schtroumpf bricoleur le schtroumpf farceur sinon on est mal est-ce que tu en tout cas le lieu a l'air un peu piégé mais qu'est-ce que tu veux faire il n'y hum. euh, a pas un bureau quelque chose euh, sur lequel ou un établi peut-être oh, il y a beaucoup de bordel sur du bordel donc et c'est piégé est-ce qu'on n'entend pas un bip bip oh. ou quelque chose comme ça Non, il y a que Coyote. Euh, dehors, il y a des, il a des, des rochers, des, enfin, des cailloux, des choses comme ça. Il bah, est... Bah, est en chercher si tu veux. Euh... Alors, il y en a que, à l'intérieur déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un moyen de désarmer les pièges. Est-ce que tu m'autorises à utiliser ma compétence spéciale astucieuse pour oui. essayer de trouver une solution pour désarmer les pièges sans nous, sans nous blesser alors par contre, euh, je sais pas combien de points vaut mes compétences. C'est pas marqué sur la Astucieuse, fiche. J'ai charme Strumpf, ce C'est pas écrit astucieux. En fait, c'est pas écrit. Oui, alors c'est l'équivalent de votre caractère. D'accord. Les deux, c'est le caractère. Oui, ça en fait, c'est okay. vous rajoutez vos points de caractère à, à vos compétences. Donc là, du coup, la compétence, mmh. ça serait intelligence, j'imagine. 4. Donc si c'est 4, ça fait déjà 10. 13 euh, tu, tu prends ton caillou tu avais détecté une dalle au sol qui était un petit peu euh, un peu bizarre par rapport aux autres et lorsque tu le jettes dessus, tu vois une grande explosion euh, et plein de serpentins, de confettis comme ça qui, euh, qui explosent et qui se réassemblent sur le point euh, où tu as jeté la pierre et la pierre tu vois qu'elle est complètement euh, Embricé à l'intérieur de toutes mmh. ces serpentins et ces confettis. D'accord, euh, mais du coup, elle est le piège désarmé. Ouh, le piège est peut-être désarmé. Peut-être désarmé. <laughs> euh... Je te propose que Grognon aille dans le piège et nous qu'on sorte euh, tranquillement. Parce qu'il est costaud, quoi. Il... Alors sinon, on <laughs> essaie de prendre d'autres cailloux et de, de voir s'il y a d'autres. Euh, Moi, j'aime qui... pas les plans mais... du Schtroumpf Lunette. On, prend, on va chercher d'autres cailloux, on prend ouais. des objets qu'on peut trouver ça et là, et on essaye de les lancer sur les dalles qui semblent un peu tard. Sachant ouais, que sur les 4 points, vous avez déjà utilisé deux, Donc, 2. Deux. Oui. Je tiens à, à tenir les côtes au cas oh, oui. ouais, où. J'oublie à ce que, ce que... Mais vraiment, à, à reculons, hein ce que me demande de faire la, la choumfette, tout en maugréant, en prenant euh, des cailloux, les lançant euh, nonchalamment un peu partout, ne euh, suffisant pas spécialement des dalles, j'en lance plein, 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 plein. Euh, plein je vais puis... en récupérer un qui, euh, parmi ceux que tu as pris, juste pour le relancer sur la dalle sur laquelle je l'ai lancé la première fois, voir si, ça se... si le piège se relance. Globalement, il n'a pas l'air de se passer quelque chose. Non, c'est bon, il n'y a plus de, de choumf. Oh, c'est déjà ça euh... Allez, maintenant, on va essayer de schtroumpfer un petit peu tout ce bazar. Ouais, moi, je vais, je vais regarder à l'extérieur pour voir si c'est pas sous-survé sous, schtroumpf. Ok, donc moi, je vais, sur, je vais regarder partout, avec toi, schtroumpfette, mmh. c'est ça C'est ça. Allez, on regarde partout. Il se passe rien. Il se passe rien, non. Vous regardez effectivement partout, ça... Voilà, vous que vous connaissez hein, qui appartiennent effectivement au euh... oh, encore un Godmichet oh, <laughs> faut qu'il arrête hein. et alors que tu prends ce Godmichet <laughs> une trappe s'ouvre sous tes pieds et tu tombes dans un trou ah mince et tu ah, repères ça, un point de vie arrache ton tu t'es pas blessé mais qu'est-ce qu'il schtroumpf Il vient de tomber dans un dans une schtroumpf. Ah ouais. J'ai cru que c'était grave. <laughs> bah, il a l'air il de cette fait, fait mal un peu quand même. Bon, hein oh, on va le il sortir de là. Il schtroumpf du bonnet. Il schtroumpf ah, bah, du bonnet je... Oui. Il essaye de faire comme le grand schtroumpf C'est ça. Alors bon. comme, comment vous comptez le sortir de là Est-ce qu'il ah, y a, qu y a euh... une corde ou une échelle ou quelque chose que, comme ça dans la grotte alors, il euh, n'y a pas de tout ça. Euh, Parce après, moi, je vois quelque chose. Je sais, je sais, chose. je sais, je sais. Je vais te tenir par les chevilles et tu non. as le... Non, non j'ai beaucoup mieux. Le schtroumpf Farceur, en dans du papier cadeau, avec un wow. joli ruban. Je vais chercher le rouleau de ruban pour, pour m'en servir de corde. Alors, en soi, il n'y a pas de rouleau. Donc pas de rouleau. Par contre, il y a euh, plusieurs euh, morceaux de ruban qui étaient autour des cadeaux test. Eh bien, on, euh, on va faire une corde avec oh. ça. J'ai une idée, j'ai une idée. On n'a qu'à faire une corde avec les rubans des cadeaux. Merci, je trompe la lunette. Je n'aurais pas pensé sans toi. Euh, ah, je, en plus, je, une crois que, idée, euh, ça. je crois que je trompe la lunette, c'est fait un gros bleu. <laughs> <laughs> ah, J'arrive euh, pas à le voir. <laughs> Donc, on va, on va tromper les, les morceaux de ruban l'un avec l'autre pour essayer de oh. faire une corde je un trouve. Il pourrait ouais. regarder où oui, est hein, la prochaine fois. Ah le mais millet, il, a, hein. il, a, il a trouvé un autre go de Mishromphe. Il s'est dit qu'il y, y avait un pattern là. J'ai l'impression qu'il est attiré par ses, par ses Et Je pense aussi. Alors, bon, il doit bon, chez lui. Et... Hein. Il a si quelque chose à comprendre Shromphe à mon avis. Il lui balancer le, le ruban. Ah. Euh... Tu attrapes le ruban ouais, attrape et tu me fais un test de force pour euh, grimper. Euh, on va, on va l'aider à tirer, enfin en tirant de notre côté aussi. Hein. Bah, qu'il fasse au moins un demi-succès, ça sera déjà Six. pas mal. <laughs> ah, voilà. As de la chance. Hein. Non, parce que j'ai 3 et 3, je viens de faire un 3. Voilà. Et alors que tu remontes euh, à, à l'air libre, entre guillemets, tu te retrouves un peu sur le bord et tu sens un, un, un espèce de petit courant d'air sur ton visage qui arrive euh, d'une de, de, des parois de la grotte. Mm. Ah, regardez là, je pense qu'il y a une période qui s'ouvre derrière. Je pense. Le, le, le mur là, je pense. Débarrassez ce qu'il y a devant déjà, on débarrasse ce qu'il y a devant. Et donc du coup, et pareil, en fait, c'est un passage secret. Un, un passage ah, oh c'est vraiment intelligent, je fait fais lunettes. Mais merci, et je le sais. Alors, écoute. Euh... Modeste avec ça. <laughs> on, va, on va pousser tous ensemble la porte. On n'a pas besoin de, de force. Pas envie. Euh, non, en fait, vous vous approchez et vous voyez vraiment le, le rocher qui, euh, qui touche sur le côté et qui, ouvre, euh, qui vous ouvre comme ça vers une, une espèce de, de, de pièce euh, annexe qui était euh, cachée derrière. Comme si le fait d'arriver, en fait, si, euh, euh, fait, fait c'était automatique. Ah, c'est magnifique. Donc, on rentre dans cette alors alors, ah, et Et là, devant, -être vous, être euh, devant vous, vous voyez... Euh, vous voyez un Stromfarcer emprisonné dans une cage et près de lui, il y a une étrange ombre capuchonnée. Et encore, tu voulais faire un truc bizarre avec tes gosses <laughs> ah, mais... Vous êtes qui Je dis alors celui qui est encapuchonné. Et... et alors que vos yeux se font à l'obscurité, vous vous rendez compte que c'est l'image que vous voyez à travers un grand miroir. Et après, ceux qui ressemblent au grand Strumpf, non Attends, Je comprends. Le, le, le... La personne en capuchonné est dans le miroir En fait, les... vous avez vu cette scène, vous avez l'impression mmh. que Et là vos yeux qui s'habituent un peu à la lumière et vous vous rendez compte que c'est une image que vous voyez sur un grand miroir. À, à travers ouais. un miroir, en fait Oui. D'accord. C'est de la schtroumpferie. la schtroumpferie On voit quelqu'un et oui, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, euh, une ombre à côté euh, de la cage où est emprisonné le chauffeur. Et ça tombe, se, vous, vous la voix vous dit quelque chose et, et c'est très, c'est très peu audible. Et au moment où euh, la personne, le personnage se décale vers, euh, vers la, comment dire, vers la cage, vous vous rendez compte que c'est Gargamel qui est en train de préparer des choses avec son chaudron, des choses comme ça mmh. et qui. Quelque part, certainement, Il faut pas parler. On va essayer de Il faut qu'on essaie de sortir faire euh, farceur sort de là. Non, essayer ah, de voir si je peux passer à travers le miroir. Ça veut dire que le miroir, c'est peut-être une porte. J'essaye de je, je tends ma main vers le miroir. Est-ce que je meurs? Ça a quelque chose de solide. Est-ce que je meurs? J'aime bien. Des morts, oh. <laughs> <laughs> ce n'est pas Stargate Non, euh, au moment où tu touches oui. le miroir. Il euh, y a un grand feu d'artifice qui se déclenche dans la salle et euh, oh. l'image s'éteint. Il faut qu'on aille, faut qu on aille euh, chez Gargamel. Il faut aller le sauver chez Gargamel. Ah oui, je est... sais. C'est un miroir magique. <laughs> Ça mieux, sans déco, je Alors moi, je suis, moi je, suis déjà, je suis déjà reparti dans la salle principale où il y avait toutes les, toutes les farces là, et j'essaye de, de prendre, de voir s'il y a un cadeau qui a l'air fonctionnel, et je vais euh, un ou deux, et en fait, je vais, je vais les mettre dans les mains de mes compagnons pour, par euh, tenez, on va prendre ça, ça, ça servira peut-être de divers schtroumpfs alors qui... euh, tu, tu sais pas <laughs> si tu ne les as pas ouverts. Hein. Non mais je vais pas mais, les ouvrir. Mais, ou mais ils ont, euh... ils ont l'air, comment dire, ils ont pas l'air d'avoir été utilisés. Non. Ok, Au bon, pire, bon tu on va la les retournes et tu restes de l'autre côté, mais... mais. en fait ouais. quand tu, euh, quand tu me donnes le, 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 cadeau, je fais, oh, c'est Jean -Schrumpf, schrumpf, Non non, fait. ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. <laughs> Attends, je vous empêche je t'empêche de l'ouvrir et je fais pareil avec le chomfelunati, il faut. On ne l'ouvre pas. C'est au cas où, si jamais ces, ces cadeaux sont piégés, ça pourra servir de divers schtroumpfs pour, euh, pour chez Gargamel. On peut se défendre, voilà, c'est ça. C'est des beaux cadeaux, je pense pas qu'ils soient piégés. Bon, on a qu'à aller chez Gargamel Vous savez aller chez Gargamel, du coup On y est déjà oui. allé plusieurs fois chez Gargamel. Ah, vous, vous êtes vous fait choper, Non, mais c'était pour vous. C'était. Euh, moi, je sais, moi. Ça va Moi, je sais où c'est que chez Gargamel. Moi, j'aime pas Gargamel. Personne n'aime Gargamel. Pour une fois, vous, on est d'accord avec toi. Euh, vous avancez <laughs> comme ça. Euh, pour aller... Et d'ailleurs, vous vous rendez compte hein, que l'ambiance dans la forêt enchantée euh, change radicalement. Le... Euh, C'est beaucoup plus lourd, maussade, il euh, y a une, une légère brume. Et euh, vous vous retrouvez devant euh, la fameuse maison de Geriamel. Attention, vous savez qu'il y a parfois son tel chat, Elle. Azrael, qui guette. On aurait dû prendre du poil à, gra... du, du à ch'troumpfer. On va, on va tromper tout doucement. À pas feutrer. Ça peut être une solution. Passer par les hauteurs. Ah, c'est très haut. Les hauteurs, pas... c'est très haut. Il n'y a pas un, un trou dans le bas de la porte, puisque la porte elle est, elle est en bois, la porte de chez Gargamel. Un trou par lequel on pourrait tromper? Il y a. Il y a pente, vous hein, pourriez vous, hmm. non sans mal, mais vous pourriez. Essayer de tromper par là, non Je Veux dire que chez Gargamel, il y a une porte spéciale Schtroumpf pour qu'il rentre chez lui Non, sous la oui. grande porte, hein, je veux dire. Non, on passe sous <laughs> la porte. <laughs> ah, sous la porte, pardon. Okay. Oui. En rampant. Alors, euh, chacun d'entre vous, vous allez me faire un test d'agilité dans l'ordre euh, dans lequel vous passez. On va perdre des points. Moi, je vais laisser passer euh, un des schrumpfs d'abord et je oh passerai sur la deuxième, sur la troisième. <laughs> bon, bah je passe le premier. J'ai un gros schrumpf. Oh. <laughs> j'ai fait trois. Enfin, j'ai fait, <laughs> <deux plus, rire> fait deux plus un. Trois. D'accord. Donc, je passe le deuxième, alors. J'ai fait cinq et Agile. neuf. <laughs> Joli. Ça et moi de mon côté, j'ai fait 3 plus l'agilité 5, ça fait 8. Ça <laughs> je suis coincé. Donc, je te ferai passer le, le dernier, bien sûr. <laughs> C'est euh, gentil. <laughs> donc, vous, vous rentrez euh, tranquille. Vous passez en dessous. Et alors que lui essaye de faire passer son gros d'herche. <laughs> 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 Il <reste> coincé. <laughs> C'est la queue, est, il euh, les voilà. choses une petite queue derrière, c'est passe. Voilà. Et, 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 <laughs> il reste un peu <laughs> et, une grosse schrumpf. <laughs> et en réussissant à passer enfin, il perd l'équilibre, fait une euh, un roulé boulet et euh, malheureusement le, le cadeau qu'il avait dans les mains explose. Et ça fait oh bad à schrumpf. Il fait une euh, un bad à schrumpf, comme tu dis et d'un seul coup, vous entendez. Mais non. C'est Azrael cachons-nous. Courez. Ouais on court. Est-ce qu'il y aurait un, un trou de souris dedans Je crois les souris. <laughs> à proximité, non. non. Ah. Ben, je Et cours euh... pour essayer de me mettre à couvert euh, euh, en essayant d'aller vers la cuisine en fait. Ils sont dans la cuisine Une cuisine, j'ai Gargamel d'ailleurs. Bon, C'est gâ... ce une grande pièce unique. Hein. Il y, a, il, y a, il y a du mobilier, il y a des choses comme ça quoi. Si on on Essayez on de prendre de la hauteur de sur une table Ouais. On essaie de monter sur une table on, on va essayer une de table grimper sur, hein. sur, sur un Peut-être sur un buffet ou quelque chose, un meuble sur ouais. le. et sur la table il y, y a une sorte de, de casserole renversée, on se cache en dessous. Ah, c'est une bonne idée ça. Oui. Je sais que j'ai des bonnes idées, t'es pas obligé de le dire. Hein. Ça, fait... ça fait deux fois que je fais des Moi j'aime pas quand <laughs> tu sais. <laughs> j'arrête les compliments c'est fini donc euh, bah de la même manière pour monter sur votre table je vais vous demander un jeu d'agilité hein. okay. allez allez et ben ah, ça fait mieux. 7 c'est pareil 7 5 c'est plus c'est pas pour, pour le coup les deux ils montrent tranquille mais toi t'as tu montes, tu montes, tu glisses, tu montes, tu montes, tu, <laughs> tu glisses. Alors Attends, 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 est-ce que je peux utiliser... Non, est-ce que Charme trompe, ça marcherait pour peut-être lui permettre de relancer son jet ou pas Ça peut influencer positivement les autres. Euh... Est-ce que grâce euh, au Charme Schtroumpf, tu... je peux essayer de l'encourager Tu peux tenter de l'encourager, ouais. Je vais tenter de l'encourager. Alors, du coup, ça va être euh, caractère plus... Caractère euh, Caractère plus... Euh, plus un le charme. Caractère plus quoi t'as dit pardon? Intelligence, je pense. Intelligence ok. Sinon ta force ou agilité donc. Ouais non bah du coup ça va être 6 et 90, 13. Donc sous l'effet de ta holla toute seule. Tu vois c'est lui d'être mais il arrive il arrive enfin vous rejoindre. Il reste plus qu'un point les gars. D'ailleurs il est passé tout rouge pour le coup. Oh je vais plus. Allez, on avance On ah bah se bravo. cache On est où on est caché. Et, et depuis votre cachette, vous pouvez voir euh, la, la cage où est enfermé le Schtroumpfasseur, qui est sur une autre table à peu près à 2 mètres de la vôtre. Ah, Ça. pour aller jusque là maintenant. C'est un parcours du, du combat schtroumpf. En fait, je pense qu'en sautant euh, de table en table, on devrait pouvoir, euh, en passant par le... Euh, le, le petit tabouret là, on doit pouvoir rejoindre la table où, où se trouve la cage. Le problème, c'est le géant là, Gargabel. Ouais, les draps, bon, Si j'accroche avec un petit poids, un drap, et que je jette le drap, ça accroche sur la table d'en face. C'est bah, où ton drap et ton petit poids sur la table un bras sur mmh. une... Une la serviette quoi là, pour la la de mètre, hein. ouais. <laughs> tu pourrais pas faire une catapulte à schtroumpf tu pourrais pas nous faire une catapulte à schtroumpf avec une, une fourchette tu te mets sur le ah, oui tu le te mets sur le ah, tu, tu te mets une sur le bout le bout du truc et puis nous on saute et on catapulte la, la plus légère d'entre nous c'est ça Parce sur les cuillères on va te catapulter schtroumpfette Juste à côté, il y a une cuillère, euh, une cuillère avec marqué Gargamel dessus. Euh, C'est sur, sur ton bol qu'il a eu à Saint-Malo. Ah, <laughs> <ça. rire> bah, on, 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 on va faire ça. C'est un bon plan, fait Ça bon, ne peut est... pas échouer. Mais non, euh... Bien sûr que non, ça ne peut pas échouer. On est des tout. <laughs> Qu'est-ce qu qui pourrait mal tromper Du coup, je m'installe dans la cuillère. <laughs> au bord de la cuillère au bord, la bord la de la cuillère. Vraiment, euh, je suis bah, sur, sur le bord de la en cuillère en fait, parce que euh, nous, ouais. on va et la sauter Il la... vas... <laughs> y a un sucre pour, <laughs> pour faire l'équilibre. Voilà, c'est ça. Ah. À 3 on y va. Un, un. deux, je demi, je tiens mon bonnet. <rire> 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 à deux et demi, j'ai sauté, moi. Et là, okay. je trouve elle vole. Euh, je trouve en fait, tu me fais un, 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 de l'agilité. l'agilité. Pour voir si oh tu oh vas t'écraser lamentablement contre un mur ou pas. Moi, <laughs> je fait 7. Je vois bien la, la musique de I Need a Hero. <laughs> <'est un> <laughs> <certain. rire> J'ai fait 7. Euh, donc, euh, tu as atteint la deuxième ouais. table. Hein. Euh, malheureusement pas pour toi, mais pour eux, euh, happés par le bruit, tu as Gargamel qui se retourne vers eux, qui les voit, ah, mes petits Schtroumpfs, ah, eh bien, ça fera encore plus de Schtroumpfs oh, bien, pour, pour, pour me produire de la magie. Et euh, il commence à sortir sa baguette et mmh. à la mettre vers vous pour, pour vous envoyer des sorts à la volée. Moi, j'aime pas Gargamel, Schtroumpfs. Du coup, on commence à, à courir et à sauter pour éviter les sorts. Ah, on n'a plus de points Ou il nous reste un il nous point Il reste un seul de points. Alors je regarde. Euh... Tu me fais pas peur, garde -Gar un D'ailleurs, je t'ai jamais aimé T'as toujours été un schtroumpf à deux balles T'as toujours été un, un grand un grand schtroumpf raté Voilà ah oh ah Tu devrais fuir devant nous Et j'essaye donc en gros de l'intimider du haut de ma taille de schtroumpf <laughs> en lui disant. Ah oui, euh... un truc, toi pour Ouais, c'est ça c'est-à-dire que j'utilise euh, J'utilise Expert en râlerie, un bonus pour convaincre les autres que... Non, regarde menaçant plutôt. Peut intimider les autres personnages. D'accord, vas-y, fais ton jet de puissance. Le grognon. <laughs> Alors... Alors, Parce il va que dire... Intelligence plus ton caractère. Si c'est 7, euh, bah 13. Oh, joli. Ça. Fait Gargamel, euh, tout seul, le coup. Mais, et là, tu vois, il est, Gargamel, il est là, mais, 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 mais je suis, je, je suis pas un Schtroumpf, c'est vous les Schtroumpfs. Mais, 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 ah, que je me pas tout le temps. <laughs> tu, tu me fais pas peur, Gargamel. <laughs> Alors, pendant pendant qu'ils font ça, j'en profite en fait pendant qu'ils s'occupent de Gargamel pour aller discrètement libérer le farceur Ok, euh, tu arrives près de la cage. Euh... Qui a l'air d'avoir une sorte de petite serrure, pas, qui a pas l'air très compliqué, mais qui a quand même le mérite d'être là et qui ferme la cage. Je, je Étant, étant une trompette j'ai forcément des épingles dans mes cheveux. Donc, du coup, oui, je vais... La serrure, elle est comme ça. Tu est pas pas grave, c'est pas comme grave, c'est sa petite épingle à cheveux. De trompette limite, tu mets ton doigt, c'est pareil. Hein, aura... euh, si Peut-être que Gargamel utilise des cure-dents. Voilà, je en trouve fait, il y a un trombone à côté de toi. De je chope ouais. quelque chose de pointu, un trombone, une, une aiguille, quelque chose. C'est un trombone pour faire de la musique. Ah, bon, est -ce il y a <laughs> une aiguille. <laughs> Moi, j'ai ai gardé le Godmiché de farceur. De oh. <laughs> <laughs> bah, voilà, parfait. Tu m'envoies le Godmiché, je le récupère. <laughs> Attends qu'on enlève le vibreur. <laughs> et j'utilise du coup le godet de pour, euh, pour euh, crocheter le Bah un jeu bah, d'intelligence s'il te plaît. Bah, non, tu, tu, tu laisses le vibreur justement, tu, tu crochettes plus facile. <laughs> ah bah si c'est 6 12. 12 OK, ça effectivement avec la vibration, ça <rire> <rire> Sauvé par pas Mais... <laughs> <laughs> Euh, oh, L'espèce cool. le, 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 de canard qui était dessus tombe, la porte s'ouvre, et le partner, euh, bah sort et est super content d'ailleurs de te voir, euh, Chomfette. Euh, bah trop je... content de te voir, Et <laughs> il te dit. Euh, c'est pas moi avec ça Avec mon gun mistrumpf <laughs> La fait <stroumpfette rire> avec un gun mistrumpf à la main Et <laughs> c'est ah, pas content de l'avoir tu... ah, bon, <laughs> Toi aussi tu fais des commandes sur A hein. <laughs> C'est dans ton atelier Allez viens c'est pas le moment de rester là Je ne vois pas de quoi tu parles <laughs> ça, ça restera entre nous t'inquiète voilà. Je le euh... tiendrai plus longtemps <laughs> Donc euh, <laughs> Pendant qu'il fait diversion C'est en fait comme ça que pendant bon qu'il fait fond. diversion, effectivement, vous, vous échappez. Euh, Shroom fait lunettes. que fais-tu pendant que Râleur euh, râle eh ben, moi, je <laughs> euh, vois que du coup la Shroom fait, elle libère euh, farceur. Et donc j'essaie de trouver un moyen pour distraire aussi le chat, pour pas que quand il sorte, il soit embêté par le chat. Donc je fais tomber le et... poivre. Le poivre. Fais... C'est moi qui l'idée, ok je fais, <laughs> de... je fais le poivre et le sel. Okay. Ah oui, ça change tout. Et, et je fais une vidéo <laughs> gratuite. Je fais. <laughs> d'huile, écoute, euh... est-ce que tu de la ça. Et je fais tomber. Comme ça, le chat, il commence un peu. Enfin, et donc, je fais tomber le sel et le poivre au sol. Et je, et je dis à Grognon, vas-y, on descend de la table. Voilà. Ouais, et là, il y a un espèce de gros nuage de ouais. poivre et sel. Et euh, t'as le chagrin. Chaque... Ah 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 en plus, c'est trop mignon quand t'as les chasse à éternuer. Oh. <laughs> Ça dépend, t'as pas vu le mien. Oh, c'est Azrael là. Hein. <laughs> et euh, et toi, euh, donc, diversion, euh, euh, ouais. On donc, on descend. on descend. On descend de la table. Mmh. Puis on glisse. Les, les quatre, on se retrouve à la porte. On passe en dessous de la porte. Ah non, je regarde la porte et j'ai un souvenir qui revient. Je passerai jamais. jamais. Vas-y passe, je te suis. Voilà. Je te pousse s'il me faut. Il y un, ton... un gros coup de tête dans ton derche, tu <laughs> C'est ce qu qu'il passe troisième, il a du mal à passer. Le quatrième c'est farceur. Il lui met un petit dos dans les fesses, comme ça, ça lui déplace. Oh oh, oh ah. voilà, là, là. Avec le Trump. Hein. Oh, oh. Ah, là voilà, il a récupéré le coup. <laughs> Donc, euh, Moi oui, j'aime pas le que... Trump. <laughs> enfin un petit peu quand même. <laughs> Et euh, donc, vous arrivez à vous échapper, vous arrivez à rentrer au village des Schroomf. Tout le monde est hyper content euh, de vous voir. D'ailleurs, on organise un grand banquet. En même temps, vous avez un peu, on vous avait un peu niqué votre petit déj le matin. Donc, mmh. euh, c'est un peu normal. Euh, et euh, on retrouve une petite atmos atmosphère hyper joyeuse comme ça. Et euh, toute la soirée se passe bien. Et euh, voilà, vous festoyez, vous, vous amusez, vous chantez, vous dansez. S'il vous dites-moi également ce que vous souhaitez faire pendant... Moi, je, je bois des shooters dans le nombril de n'importe qui. Donc, voilà, je suis... Envie de... <laughs> ils n'ont hey, pas de nombril, les gens. C'est vrai, bon, ben... Bah, en fait, je crois que c'est des nombrils, mais c'est pas des nombrils. <laughs> ah non, moi, je bien. me mets à part, je râle, je, 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 je peste, euh, voilà. Et, et moi, je demande, euh, jean de pour discuter avec le schrumpf farceur, savoir où est-ce qu'il achète ses godemichrumpfs, du coup <laughs> Alors, justement, euh, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Ah, oh, encore! Voilà, et en passant à côté du champignon de... du Schroenverser, <laughs> t'en Bon, bah, du coup, je, je le laisse à ses, à ses occupations. Il est en train de, sur une blague, de préparer sa blague, là. Sans doute. Certainement. Sans je... <rire> <rire> bon, Mais alors, cela euh... ne nous regarde pas. Donc, cela ne nous dois... regarde pas. Mais euh, voilà, voilà le petit scénar pour les Schtroumpfs. Euh, J'espère que vous l'avez apprécié. Il, sera, il va être interdit au de 18 ans. Ah ton 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 <laughs> oui, là, il ne serait pas passé au club oh d'eau, celui-là. Oh, non, non, oui. non. non, ça aurait été le, 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 le vibra-schtroumpf laser. Enfin, euh, je sais pas. M mon enfance mon enfant, a été, euh, été schtroumpfée. Ah oui, ouais, un petit peu, un petit peu, ouais. Ah, je bah, chose, vous êtes euh, trop fort mais... en schtroumpf, en tout cas. Tout ce qui est mot schtroumpf, vous avez trop bien géré, quoi. <laughs> C'était oui. très difficile. Oh, bon, ouais, Paul, alors ta première expérience de JDR bah, c'est pas forcément comme du JDR C'est pas en... du JDR En 6 heures, tu vois. c'est du JDR parce qu'on partage ouais. une aventure, on fait voilà, il ouais, y, oui. y, y a beaucoup de choses. Et euh, donc cette première expérience en dehors du vibrashtrumpf. Bah, non mais moi bon, le j'ai bien aimé. Mais euh, non c'est vraiment cool, euh, c'est agréable, ça change et euh, non c'est. J'ai pris du plaisir. Alors des fois, on sait pas trop quoi faire, quoi dire. Il y a cette réflexion où c'est ça qui est un peu à, à se mettre dedans, mais c'était vraiment cool. Merci à vous en tout cas. Ah, ça merci bon, à toi. Ou... Merci. Euh, oui, ça, ça, ça a mis à bien se goupiller chez Gargamel en mmh. fait. C'est mmh. <laughs> <'est, c> <laughs> ça, c'est... Dans des parties de jeux de rôle, en règle générale, au début, on, on sait pas trop comment... Euh... Enfin, il faut trouver sa place en milieu avec les gens que tu connais pas forcément. Ah, Donc C'est pour ça qu'au début, ça met un petit peu de temps. Mmh. Euh, au fur et à mesure, c'est. Ouais, voilà, non, c'est hyper agréable. <laughs> ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette première de Roll on the top. Pop. Moi, je vais me tromper sur le nom. <laughs> euh, Merci euh, pour l'invitation. Merci Léo, pour bah, Léopold, on peut le retrouver bien sûr sur ses euh, podcasts, euh, One Man Show, euh, TikTok, tous les réseaux, euh, même Mythique, je pense. Il, 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 fait, il fait des vidéos sur Mythique. Holy <laughs> Fan! Euh... <laughs> J'ai déjà fait les pubs. J'ai réalisé les pubs pour euh, Glidden, pour te dire. Euh... Si vous voulez voir euh... Léopold avec un vibrashroom, le... n'oubliez pas de vous abonner à sa page, à sa page OnlyFans. Ouais. Et puis bah Alban et Monte Cristo, qui ne sont pas d'ailleurs les seuls de l'équipe Time to Roll, mais sur la chaîne Time to Roll, euh, qui euh, propose plein de super parties de jeux de rôle et euh, toujours dans une très bonne ambiance, un peu comme ce soir. Vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh... bah, merci beaucoup enfin, à vous merci. en tout cas. C'est très cool. Euh, merci, ouais, super cool. So, out. so,